lolu motax fogno moy dafa andak wergu yaram sokoy lek dafa andak wergu yaram ñun xalé bu juddo dinañ ko jox fogno yaay ji dinañ ko damp ak fogno suma ne dinañ ko jox fogno ci besu ngenté bi lañuy indi fogno bi def ko ci lekkat bi kon suñu ciossal la du tey la ju xam affaire fogno suñu affaire yu bare mariage so fogno dina ci bok ngenté fogno dina ci bok luñuy monta liggéey ci aduna fogno dina ci bok kon fogno suñu ciossan la dañu bëgg nak ciossan ba am valeur ba aduna bi yépp xamné fogno bi amna valeur Et ce laboratoire est relativement unique en Afrique de l'Ouest francophone et s'occupe principalement d'enseignement et de recherche en nutrition et alimentation humaine, le plus souvent orienté vers la malnutrition de la mère et de l'enfant. Mais nous sommes également intéressés sur les aliments locaux et en particulier les effets métaboliques de ces aliments locaux tels que le gombo ou le fogno. Le fogno, c'est vrai que c'est une céréale très peu exigeante, exigeant en sol et exigeant en eau. Donc c'est quelque chose que l'on peut cultiver plusieurs fois même dans l'année et qui peut s'adapter dans des environnements. Elle ne concerne pas seulement le Sénégal, ça concerne aussi d'autres pays arides où il y a un problème d'eau, comme le Mali, ça peut concerner le Burkina Faso, d'où le Niger peut être concerné, et c'est une céréale qui peut s'étendre sur une large proportion des pays de l'Afrique subsaharienne. Le fogno est une protéine qui ne contient pas de gluten. Or, certaines populations ont des intolérances au gluten. Le gluten qui est contenu surtout dans le blé. Elle a des qualités nutritionnelles qui non seulement répondent à des besoins de problèmes actuels, de malnutrition par exemple, mais peut répondre à des problèmes émergents de nutrition qui arrivent, qui sont des problèmes de maladies chroniques tels que le diabète, l'obésité ou l'hypertension artérielle. La culture du fogno nécessite très peu d'intrants. Pas beaucoup d'eau, on n'a pas besoin de mettre de l'engrais, il n'y a pas besoin de pesticides, donc c'est une culture bio. Ce que le monde a envie de voir et de manger à l'heure actuelle. Fogno mën nga ko lek agn, nga mën ko lek ndek, nga mën ko lek rer. Bu ñek mën nañ ko wol ñu def ko fondé ñu naan mën na nek fondé aussi ñu naan fondé bi ci suba agn bi ñu def mafeti gadegé ak fogno wala yaasa ak fogno wala ciép ak fogno ki fogno ñu tok ko comme ciép il contribuera certainement à l'alimentation mondiale cette alimentation mondiale dépend de l'eau. Et l'eau se fera de plus en plus rare. Alors les cultures de biodiversité qui vont faire économiser l'eau vont certainement avoir une place importante dans l'alimentation des 9 milliards d'individus que nous serons un jour.